Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où nous allons nous rendre à Nokron, la ville éternelle. La ville éternelle, souterraine je devrais dire. Nous sommes à l'ouest du Fort 8, comme vous l'avez vu. J'ai mis un petit point ici pour que vous ayez un repère sur la carte à peu près dans quelle direction on va aller. Mais de toute façon vous allez suivre, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On y va. Hop, on part, on prend le canasson. Vous voyez mon repère est là. Donc là, on coupe là, en fait... Finalement, j'aurais pas dû vous mettre de repères. Faites comme si j'avais rien mis. On va regarder de ce côté-là, les cailloux volants, là, vous les voyez? Enfin, volants, les cailloux en lévitation, on va dire. On va plutôt se diriger comme ça. Allez, on accélère. Et on va regarder par où on peut passer. L'objectif, ça va être de descendre dans ce trou. Bah oui, je sais, il y en a qui aiment pas trop descendre comme ça, mais... Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si vous voulez trouver la ville, il va falloir y aller. Et dans la ville, croyez-moi, il y a du monde. Alors, on va descendre, on va prendre par là. Et vous voyez ici, il y a un petit passage en face de moi. On va donc prendre ce petit passage et on va descendre à gauche. Ouais, ouais, on va faire ça comme ça. J'essaie de vous emmener sur le passage le plus facile parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions qui peuvent être plus ou moins difficiles. Là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est le vide absolu. Et en fait, quand on regarde bien, vous voyez, il y a une plateforme là. Plus une seconde. Donc, on va sauter. Première plateforme. Il y a de l'herbe qui arrive à pousser ici. C'est étonnant ça. Deuxième plateforme. Ok. Elle a de l'herbe aussi. Hein. Là, on va trouver des fleurs. On va pouvoir se faire un pique-nique. Bon. Alors maintenant, il faut repérer une autre plateforme où nous allons pouvoir sauter. Laissez-moi regarder. Alors, c'est pas ici. Ça va être plus sur la gauche, je pense. C'est pas facile parce qu'en plus on est de nuit donc on aurait dû la faire de jour. Vous voyez, je la vois là, la plateforme. Vous l'avez repéré? Ouais, on aurait peut-être dû la faire de jour, donc faites-le de jour pour plus de visibilité. Oula. Oula. Oula là. Vous avez vu que j'ai eu chaud là. Allez, on continue. On avance tout droit comme ceci. Là, il y a une petite lumière qui doit être là pour nous indiquer la route, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas à quoi elle sert la lumière, honnêtement. Hein. Je ne sais absolument pas. Bon, ben par contre, ce que je sais, c'est que je ne peux plus prendre mon cheval. Donc là, déjà, j'arrive dans un endroit, il y a une zone, il y a un coffre, il n'y a rien qui brille, non, on peut pas l'ouvrir. Je me suis dit, si je m'approche, que je peux l'ouvrir et que je trouve quelque chose de magique, ça serait super. Ça, j'aime vraiment pas quand ils mettent des coffres comme ça, tu peux pas les ouvrir. Regarde-le, il est joli le coffre, hein. Tu peux pas les ouvrir, t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule, les mecs. Bon, c'est de l'autre côté, là. Attendez. Là, je me gourre. Attendez, je vais essayer de mettre une lanterne pour que vous voyez clair. Voilà, ça m'a énervé, histoire de coffre, vous voyez bien. Hein. Bon, on saute dans le vide et on va continuer. Là, on reprend un petit peu notre sérieux. On va continuer. Donc ici, sur la droite. Là, on va reprendre sur la gauche. C'est pas sur la droite, c'est sur la gauche. À gauche, on saute ici. Ici, on peut ramasser la graisse qu'il a, lui. Là, deux en plus de la graisse porifique. Il y avait un champignon ici fondu. Enfin, un champignon. Un champignon à ramasser. Et voilà, voilà Nokron, la ville éternelle. Ouais, mais là, t'es gentil. Mais on n'a pas de grâce, là. On peut avoir une grâce? Ouais, on va aller en chercher une, vous énervez pas. Restez calme, restez calme. Donc, on va se jeter sur les toits. Je sais pas qui c'est les maçons, là, mais ils ont eu du courage, les mecs. Hein. Ça a l'air costaud, on va passer ici. Hop. Vous l'avez vu, la grâce, là? Hop, on continue. Allez, ben non, c'est pas une grâce. C'est une lanterne. Ben oui. Ben oui. Alors, ça, c'est quoi, ça? C'est une espèce de boule de pétrole dégueulasse. Je sais pas ce que ça fait, là, ça. Il y a quelque chose qui me tire dessus, là. J'ai pas rêvé. Ah oui, mais c'est le machin noir, là. Ah ouais, il m'aime pas. Ouais. Ok. On continue sur les toits. Vous inquiétez pas, je vais vous emmener à la grâce. On va ramasser ça pour voir. Des carreaux barbelés, ouais, ok. Ça, de toute façon, faut le ramasser, ça va pas rester là, je pense, donc... il valait mieux le ramasser. Alors, on va prendre... Je pense qu'il faut passer par le tas de terre, ici. On peut pas monter là, donc on va sauter direct. Allez, prenons des risques. Hop! Une rune level 6, ouais. Bon, on a moyen de trouver mieux. Là, il y a une rouge, elle nous sert à rien. C'est pour remplir des fioles, on va la tuer pour le principe, tiens. Allez, hop. Toi aussi on va te tuer pour le principe. Attends, comme ça, de me tirer dessus. Ici on a un papillon. Très bien. Papillon naissant.
Voilà, nous avançons. Ne vous inquiétez pas, on va la trouver la grâce. Hein. Je sais où je vais. Je sais à peu près où je vais. Voilà, chercher cette fenêtre. Nous sommes ici. Hop. Le remède des droits crochus. Pour ceux qui aiment se balader inter-serveur, il y a un tel. Alors, je vous avouerai que, même si... Encore un coffre fermé. Hein. Même si je sais, il y a des moments où je doute... De là où je vais, ouais, c'est ça. Tout droit là, on va essayer de passer. Bah, lui, j'ai carrément raté. On va essayer comme ça parce que là, il m'avait. De toute façon, il m'avait aggro. Et là, vous voyez, on a trouvé la première grâce. Donc, de nos ponts. Ils ne nous suivent pas, eux. Non. Bah, de toute façon, on va prendre la grâce. Donc, de toute façon, ça va risquer de l'aggro. Ok, on touche la grâce. Là, de toute façon, ils ne vont pas rentrer les mobs. Et puis on peut se reposer. Voilà, vous êtes arrivé à bon port. Bienvenue à nos crons, je vous laisse visiter. Avant de partir, je vous montre la map. Donc voilà, nous sommes ici. J'ai un autre point qui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Voilà, à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.